Ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de mon Let's Play Banish. Alors j'ai lancé pas mal de maisons en construisant le tunnel. J'ai un peu découvert qu'il y avait 27 familles. D'ailleurs tout à l'heure il y en avait 29, donc là il y en a deux de moins. Étrange. Peut-être que j'ai eu quelques décès. Ouais, bizarre. Enfin bon. Là j'ai 27 familles, donc j'aimerais bien, dans l'idéal, avoir 27 maisons. Évidemment, ça va être un peu difficile, étant donné que mon nombre pour l'instant c'est 19. Je suis relativement loin. Bon. Tiens, là il faut que j'augmente le nombre. J'arrive peut-être à un moment où je vais devoir augmenter ou devoir faire un autre woodcutter. Je vois que le chiffre descend dangereusement. Alors, les maisons ont beau être en pierre, c'est vrai que. Il va y avoir un moment où je vais devoir faire un autre woodcutter, c'est obligé. Bon, je vais le faire tout de suite. C'était pas prévu, mais c'est pas grave, ça coûte pas très cher le woodcutter. Je sais pas où je vais le faire. Bon, ouais, je peux le faire là, peu importe. Le placement des bâtiments est un peu aléatoire, je dois dire, c'est vrai. J'ai pas vraiment de... Enfin si, j'ai défini des zones quand même, mais... Une fois que les zones ont été définies, par exemple pour le centre de production... C'est vrai qu'à l'intérieur, les bâtiments sont placés un peu n'importe comment, il faut bien l'avouer. C'est plus joli que de faire des alignements de maisons ou de bâtiments. Ouais, je pense que j'ai un vrai problème de production de bois là. Il est temps que je fasse mon deuxième woodcutter. Je crois que ça s'impose. Enfin, faut dire, j'ai créé beaucoup de maisons à la fois, donc ils ont tous été chercher leur petit stock de bois. C'est peut-être ça qui a coûté cher à mon stock aussi, il faut bien l'avouer. Ok, une deuxième maison. Tout de suite une famille qui... C'est vrai qu'ils ont 22 et 28 ans, ils sont pas jeunes, ça veut dire qu'ils vivaient chez leurs parents. Et du coup ils ont pas pu faire d'enfants. 27, 23, ouais, ils ont tous dans les 20 ans. Et pas d'enfants. Pas génial là, comme situation. C'est pas bon pour l'avenir en tout cas. Alors 46 travailleurs, j'ai 6. Il reste pas mal de pierres ici. Un peu d'iron. Tiens, là il y a un morceau de pierre qui a survécu. Là il y a un peu de pierre. Ah, je pense que si je mets le zoom maximum et que je ramasse la pierre dans ces zones, il va vraiment pas rester grand chose. Ça c'est de la forêt dense. Hein. Là, je leur ai donné assez d'ordre pour ramasser de la pierre pendant au moins 3-4 saisons. Pour l'instant, ils étaient ici. Ils sont tous là en plus. On voit, il y en a une qui y va, deux qui en reviennent. Je pourrais. Est-ce que je peux faire une route là? Parce que je vois qu'il y a une colline devant moi. Mais non, je peux pas. Hein. Ouais. C'est chiant cette colline, c'est quand même pas une super grosse colline, vous pourrez faire une route là-dessus. Alors ici il va manquer de la pierre, ici il va manquer un petit peu de pierre aussi. On est 14e saison. J'ai 68 habitants, c'est plutôt pas mal, j'ai pas eu de catastrophe pour l'instant.
Et j'ai pas eu de grosses crises non plus. Ah, la maison est prête, ça c'est cool. Ah, j'aimerais bien qu'il me fasse mon woodcutter là parce que. C'est vrai que j'étais un peu inquiet sur le stock cet hiver, il n'y en avait vraiment plus. Du coup, j'aimerais bien qu'il s'y mette pour de bon. Alors, ce que je vais faire qui coûte pas cher, c'est le cimetière. Être grand comme comme ça. Ah bah, ça tombe bien, la taille maximum c'est 20. On va le faire là. Par contre, j'ai pas vu d'entrée. Merde, j'espère que j'ai. Il y a pas d'entrée au cimetière, hein, je crois pas. Non, c'est juste un. Bon, de toute façon, ça devrait être super. Ah, il faut 76 pierres, merde! Ah, c'était pas prévu ça. J'avais pas envie de dépenser mes pierres pour un truc comme ça, mais bon, tant pis. Du coup, autant mettre aussi l'église juste à côté. Peut-être ici par exemple. Non, là je peux pas. Je vais la mettre là. C'est pareil, j'ai pas regardé. Ouais. Oui, j'ai bien mis l'entrée où il faut. J'ai pas trop fait gaffe, j'avoue. Je vais mettre plus de travailleurs. Plus de récolteurs, plus de hunters, plus de foresters. Et là, ils ont vraiment beaucoup de boulot, honnêtement. Je vais faire deux maisons en plus. On est. Ah, on arrive à l'automne, j'ai 200 de stock en wood, en bois. Ça me fait penser que j'ai oublié de faire un woodcutter en plus. Voilà. Bon, là d'abord ils font la route. Ça c'est pas le plus compliqué de faire la route. Le plus compliqué ce sera de trouver les 76 pierres. Très honnêtement, j'avais pas envie que tout mon stock de pierres passe dans un cimetière. Je suis un peu navré là. Tiens, je vais refaire une route. Ouais, ça, ils sont en train de me faire la route, y a aucun souci. Mais je pense qu'après, ils vont amener la pierre assez rapidement. Ouais, là ils arrivent, on les voit. Ah, ils l'amènent d'abord à l'église. Bon, je vais accélérer le temps parce que il y a énormément de ressources à ramener, donc ça va leur prendre quelques allers-retours quand même cette histoire. Surtout qu'ils ont l'air de faire ça un petit peu dans n'importe quel ordre. Quand on leur donne pas de priorité, c'est un peu fait dans n'importe quel ordre. Alors, il va me falloir aussi l'hôpital, je sais pas trop. Pour l'instant, c'est vrai que j'ai pas eu de catastrophe. Donc, c'est vrai que l'hôpital, j'en ai pas eu besoin. 130 de pierre. Oh non, cette joke. Merde. 130 et 76, il m'en faut 200, quoi. Plus les deux maisons, là, ça fait 280. Je vais peut-être avoir un petit problème de pierre.
je suis vraiment pas sûr d'avoir le stock nécessaire en fait. Ce qu'il y a, c'est que là ils amènent mais un peu dans le désordre. Puis surtout ils amènent 6 par 6. Ouais, la pierre elle se transporte par 6 visiblement, parce que là. Je vais pas avoir assez. Très clairement, j'ai plus que 41. Ici, il me manque 41. Là, c'est bon. Là, il me manque 40, ça fait 81 de pierre. Ah, d'accord, il me faut encore 150 de pierre. Ah, dur, hein. En plus, je sais pas trop, l'église, je pense que c'est pour que les gens soient un peu plus heureux. Je suis déjà à 4,5. Donc c'était peut-être pas le truc le plus urgent du monde. Mais d'un autre côté, une fois que j'ai fait le cimetière, je me suis dit que c'était logique de faire l'église. Ça va me coûter cher cette histoire. Donc, tant pis, il faut faire avec. Des ordres de ramassage, là, ils en ont encore plein. Je suis même pas sûr qu'ils aient fini ici. Non, loin de là même. Il en reste plein là. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a plus de pierre, il n'y a plus d'iron. Ils ont fait la maison. Elle est jolie celle-là. J'aime bien ce modèle-là. C'est mieux que le simple cube là ou carré dans ce genre-là. Ah non, ça c'est pas une maison, c'est le blacksmith. Ah, ils ont commencé l'église. Ça risque d'être un peu long, non, même pas, ça va aller. Elle est toute seule pour l'instant pour construire son église. Ah, elles sont deux. Bon, par contre, le cimetière, ils ont l'air d'avoir un peu laissé tomber. Travailleurs. Ah, formidable. Par contre, j'étais obligé de mettre un curé. Bon, bah, de toute façon, maintenant que j'ai construit le bâtiment, hein, 75 membres. Ah, il y a un maximum en plus. Après, il faut construire une autre église. Ok. Et l'école, c'est pareil, il doit y avoir un maximum à un moment donné. Il va falloir qu'on construise une deuxième, je pense. Bon, ben maintenant, j'ai diminué un peu la vitesse. Il va leur falloir de la pierre, beaucoup de pierre. J'ai diminué le nombre de constructeurs. Je crois que je vais m'attaquer à... à la carrière et à la mine. D'abord à la... Pardon. D'abord à la carrière, sans doute. Au début, je voulais les mettre là. Je pourrais bien te la mettre là, plutôt. C'est pas trop loin de ce stock-là. Ça prend pas mal de place, la carrière. D'abord, les mines, est-ce que je peux les mettre par ici? C'est pas gagné, hein. Ah si, ça va être bon. Ouais, je peux mettre des mines ici, y a pas de souci. Ouais, c'est un peu compliqué de les placer, mais il y aura moyen. Et carrières, je peux mettre des carrières aussi, ça y a pas de souci. Je peux la mettre tout au fond là, dans la vallée. Je trouve que c'est un bon endroit pour mettre la carrière. Allez, c'est parti. Ça va me coûter cher, j'imagine. Ok.
comme ça. Et là, faut que je fasse tourner le truc. J'aimerais bien m'y retrouver. On peut partir d'ici. J'aimerais bien plutôt aller en diagonale si c'était possible. La diagonale, c'est où déjà? C'est là normalement. Ok. Bon, alors la carrière, ça coûte 80 de bois, 42 d'iron. J'ai les deux. Ouais, j'ai les deux. Ça va être important la carrière parce que là, ils sont en train d'aller chercher la bouffe à perpète. La bouffe. La pierre, pardon. Et du coup, c'est loin d'être l'idéal. Bon, j'en ai marre de ce cimetière qui se fait pas là. Bon, je vais mettre la carrière en prioritaire de toute façon. Le cimetière, ça servait à rien. Dans un premier temps, je pense que. Je manque de bouffe là, c'est quand même original. Je rajouterai des maisons dans par ici. Ah, c'est bien, on sent le mode prioritaire là. Ils vont me découper ça en. Ils vont me faire un stock de bois déjà. Je vais mettre plus de travailleurs. Ils vont me faire un stock de bois monumental. Alors, je vais faire des maisons. A priori, il va y avoir pas mal de monde qui va travailler dans le coin. Je vais faire là. 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 Et même une autre. De toute façon, j'ai 4008 de bouffe, de nourriture, pardon correctement, c'est possible. 4008 de nourriture, j'ai 31 familles, donc je peux me permettre de faire 4 maisons de plus, y'a pas de soucis. Ouais, je vais mettre pas mal de bâtisseurs en plus. Est-ce que le chasseur il produit au fait? Ouais, il n'y a pas de souci. Hein. Même si, a priori, on voit pas beaucoup de bestioles à quatre pattes. J'en vois. Ah si, il y en a là, il y a tout un stock ici. Enfin, un stock. Il y a tout un troupeau là. Et elles sont là. Elles sont paisibles. Pour l'instant, il n'y a pas de chasseur. Ils sont où les chasseurs? Hunter. Je sais pas ce qu'elle fait. Elle travaille, ma chasseuse. Je sais pas ce qu'elle fait. Elle doit chercher une cible. Tiens, là-bas, il y en a. Et vas-y, va chercher. Oh, qu'est-ce qu'elle fout. Non, je sens que je vais pas suivre les chasseurs parce que ils vont rien foutre les trois quarts de l'année. Et ça va m'énerver. Ce qui compte, c'est qu'à la fin de l'année, ils aient produit un minimum de cuir et un minimum de comment ça s'appelle, de viande. Je vais pas m'amuser à les suivre, ça va me faire mal au cœur. D'accord, donc là, il me faut 80 de bois, j'ai 42 pierres, je suis limite. Je suis même moins que limite, j'en ai pas. Ils ont utilisé toute ma pierre pour faire les maisons. Alors qu'il me semblait bien avoir mis ça en prioritaire, bordel. Du coup, j'ai plus de pierre. Alors, ce que je vais faire quand même, comme j'ai mis un bâtiment qui va me demander pas mal, qui va m'apporter pas mal de ressources, je vais construire un autre stockpile ici.
Ou alors un plus grand. Un plus grand ici à la rigueur. Mais je crois qu'on peut pas les agrandir comme ça malheureusement. Si peut-être. Si je fais juste ça, est-ce que ça passe? Non. Je suis obligé de le détruire et de le reconstruire en fait. Je vais le faire. Hein. J'ai envie d'en faire un tout petit peu plus grand. Je vais détruire. Voilà, d'accord. J'espère que ça va être vite fait. Parce que sinon, j'ai peur d'oublier en fait. Bon, il va me falloir un max de pierres là. Hein. Je sais pas si. Je sais pas si j'ai donné assez d'ordre. Tout ça, il me le faut. C'est la dernière fois que je vais. Enfin, la dernière fois. C'est une des dernières fois où je vais chercher de la pierre aussi loin. Je pense que là c'est bon. Ok. Eh ben, la pierre c'est presque bon. Heureusement que je l'ai mis prioritaire. Honnêtement, j'enlèverais bien tous les arbres qui traînent ici. On est largement en dehors de la zone. Oh, j'ai un stock de bois. Je m'en fous. Je vais pas m'en occuper. Bah, j'ai tout ce qu'il faut en fait. Maintenant, ce qu'il me faut, c'est les travailleurs. Ah, voilà, c'est commencé. La carrière, je trouve qu'elle est idéalement placée au milieu de ces petites collines. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils viennent pas? Bon, je vais arrêter là l'épisode. Je pense qu'on commencera l'épisode prochain avec la construction de cette carrière. Voilà, on a déjà quelqu'un qui arrive, donc ça va se faire. Et on va bientôt avoir un approvisionnement de pierre un peu plus efficace que d'aller le chercher en forêt comme ça. C'était un peu le bordel, il faut bien avouer. Allez, à demain pour la suite de ce Let's Play.